Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs et batteuses. Nouvelle vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à un des artistes français influenceurs les plus marquants de sa génération, Serge Gainsbourg. Il nous a quittés il y a maintenant 30 ans et nous a laissé un héritage musical et rythmique absolument passionnant. En me replongeant dans sa discographie, j'ai eu envie de vous proposer quelques pépites de ce géant de la composition. Aussi, je décrypte pour vous 5 super grooves mythiques de Serge Gainsbourg. C'est parti! Voilà un géant de la chanson qui a toujours pris à contre-pied tous les phénomènes de mode en ayant systématiquement un coup d'avance. Serge Gainsbourg nous a quittés il y a maintenant 30 ans, mais son œuvre reste une des plus conséquentes et une des plus éclectiques qui soit. Ce passionné de musique classique a surfé sur tous les styles durant sa carrière en affirmant à chaque fois sa patte de grand compositeur. Que ce soit en mode afro-cubain, jazz, reggae, classique ou pop-funk, il nous a laissé quantité de chansons qui sont considérées comme des standards dans le monde entier. Ces patterns de batterie ont été de nombreuses fois samplés et sont toujours utilisés dans les productions actuelles. On a tous en tête le nouveau western de MC Solar qui rend un bel hommage à Bonnie and Clyde ou la reprise de Requiem pour un con version FFF. Alors, pour tous les amoureux de l'homme à la tête de chou et surtout pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous emmène maintenant visiter quelques grooves incontournables qui vont, j'en suis sûr, vous apporter de nouvelles pistes à explorer sur votre instrument préféré. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Gainsbourg, vous avez sûrement reconnu tous les titres que j'ai interprétés dans la démo. Requiem pour un con, Bonnie and Clyde, Initials Bébé, L'Anamour et enfin Aux Armes, etc. De nombreux batteurs se sont succédés derrière les fûts pour répondre aux demandes précises de Gainsbourg. Le percussionniste Jack Hero, le batteur Dougie Wright ou encore Slide and Bar pour la période reggae. Tous ces titres ont en commun une finesse d'écriture et surtout une subtile harmonie des sons. Au-delà du travail rythmique, faire sonner ces 5 grooves n'est pas une mince affaire. Comme vous le voyez, j'ai concocté un kit qui m'a aidé à jouer dans l'esprit des styles abordés et j'espère que cela vous donnera des idées. Allez, voyons tout de suite l'incontournable Requiem pour un con, bande originale du film de Georges Lautner, Le Pacha avec Jean Gabin. Tum tum ta tu ka tum ra prum tum tum ta tu ka tum ra prum. C'est Georges Lautner qui avait demandé à Jack Hero de réfléchir à un pattern qui reviendrait à chaque coup de feu dans son film. Ici, pas de Charlie joué à la main droite, mais avec le pied pour un son plus moelleux afin de mettre en avant le son des fûts. Le rythme n'est pas trop difficile à intégrer, même s'il demande un peu d'indépendance. Mais l'apport des petites fioritures sur les tomes pour se rapprocher des sons du percussionniste de la version originale en font une pièce de choix. Comme d'habitude, nous commencerons par le motif de Charlet et nous intégrerons au fur et à mesure les différents éléments. On commence tout de suite.
Move suivant, Bonnie and Clyde. Là encore, le pattern principal, grosse caisse, caisse claire, n'est pas trop difficile. Con, ta, con, con, ta, con, ta, con, 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 ta. En revanche, les ouvertures de Charlet et le travail de Gosnold sont très bien pensées et en font un groove reconnaissable dès la première mesure. Con, ta, chiton, ka, chikon, ka, chikon, ta, con, ta, chikon. Je vous conseille donc de bien détailler chaque partie. Allez, on s'y met. Pour Initials Baby, construit sur une séquence de 4 mesures, on rentre dans les rythmes avec contretemps qui donne un bel effet de décalage. Con, con, ta, ta, con, con, ta, 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 con, ta. Les ouvertures de Charlet, quant à elles, viennent créer un effet de suspension du temps qui accentue encore l'effet de retard du dernier coup de caisse claire des 2 premières mesures. Con, con, ta, ta, con, chit. Ta, con, con, ta, ta, con, ksh, ta. Un superbe effet qui se font à merveille avec la basse. On essaie ça maintenant.
Le groove de L'Un Amour fait partie de ces rythmes qu'il faut absolument avoir dans son trousseau de batteur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est joué dans un nombre incalculable de morceaux. Attention toutefois à l'interprétation ternaire des doubles croches au charlet et des ghost notes. Ton tita, tika ton katon tita, con con tita, tika ton katon tita, tita. Et non pas ton tita, tika to kato tita, con con tita, tika to kato tita, ti. Interprétation binaire qui alourdirait la chanson dans ce contexte précis. Eh bien, c'est parti! Dernier groove, aux armes, etc. Là, on ne peut pas faire plus simple au niveau de l'écriture. En revanche, toute la difficulté réside dans la constance du son, notamment le deuxième coup de caisse claire joué sur le bord pour faire sonner les harmoniques. Il faut savoir que Serge Gainsbourg était allé à Kingston, en Jamaïque, pour enregistrer cet album avec les meilleurs musiciens du pays. On retrouve la référence des drummers reggae, Slide on Bar, que j'ai déjà cité. Le must pour avoir le son. Et pour l'occasion, je me suis mis en mode reggae avec deux caisses claires, la 14 pouces pour le son standard et la 13 pouces sans le timbre, hyper tendu pour retrouver le son caractéristique du groove de l'album. Pour ceux qui ne possèdent pas deux caisses claires, pas d'inquiétude, vous jouerez les deux coups sur la même en plaçant le premier coup au centre et le deuxième coup sur le bord. Un grand classique du groove reggae qui vous servira dans de nombreux morceaux là aussi. On s'envole tout de suite pour la Jamaïque. Comme vous l'avez constaté, le son est primordial pour faire sonner tous ces grooves. Rappelez-vous qu'un bon batteur n'est pas forcément celui qui a la plus grosse technique, mais celui qui a le plus joli son et qui sait adapter son jeu en fonction du style. Mais ça n'engage que moi.
L'écriture que je vous ai proposée reprend les rythmes principaux des morceaux originaux, mais vous pourrez découvrir de nombreuses petites variations au fil de vos écoutes. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore les techniques de ghost note et autres fioritures, vous pourrez très bien jouer chaque groove en ne jouant pas la dernière étape des exercices. Vous aurez quand même le plaisir d'accompagner ces titres légendaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le choix des rythmes à vous proposer n'a pas été facile vu l'immense discographie que Serge Gainsbourg nous a laissée et j'espère que ces 5 grooves vous ont donné envie de vous plonger dans son œuvre. Vous pourrez piocher dans n'importe quelle période, vous serez toujours étonné de son inventivité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver très facilement tous les exercices en utilisant le minutage dans la description de la vidéo ainsi que le lien vers les partitions à télécharger. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Pour soutenir Easy Drumming, rien de plus simple, rendez-vous sur tipeee.com, le lien est lui aussi dans la description de la vidéo et des surprises vous y attendent. Un lien vers mon site officiel vous aidera à trouver toutes les infos concernant ma méthode Ethnorhythm. Je vous laisse également dans la description les liens vers les titres dont j'ai extrait tous ces super grooves. Merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs qui me suivent régulièrement. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tous ces titres ont en commun une finesse d'écriture et surtout une subtile harmonie. Bon, ben j'aurais inventé un mot aujourd'hui.